Chers amis, bonjour en ce 31 décembre. Oui, ben m'a dit Marcel pas là, mais Marcel est sur radio. Mais ça, c'est la magie de la technologie. Merci Seigneur, même si moi n'est pas là, ben m'a la laisse les bonnes ma mémoire, mon mémoire, m'a laisse mon héritage là pour que Olivier puisse travailler dessus, pour que mes amis puissent programmer. Ben moi t'es avec Zod, je sais pas comment t'en es là, tes derniers jours de l'année, cette année. Aujourd'hui, donc, nous fêtons Saint-Sylvestre, bien sûr. Tout le monde y connaît, Sylvestre Ier, qu'il était pape. Et aujourd'hui, ben, nous continuons dans cette lecture de Saint-Jean, au chapitre, première épître de Saint-Jean, chapitre 2. Et nous continuons toujours, en ce dernier jour de l'année, à profiter encore une fois, hein, faut profiter de l'inspiration de Luce Rose pour nous ouvrir à cette liturgie d'aujourd'hui. Chers amis, bonjour en ce 31 décembre. Oui, ben m'a dit Marcel pas là, mais Marcel est sur radio. Mais ça, c'est la magie de la technologie. Merci Seigneur, même si moi n'est pas là, ben m'a la laisse les bonnes ma mémoire, mon mémoire, m'a laisse mon héritage là pour que Olivier puisse travailler dessus, pour que mes amis puissent programmer. Ben moi t'es avec Zod, je sais pas comment t'en es là, tes derniers jours de l'année, cette année. Aujourd'hui, donc, nous fêtons Saint-Sylvestre, bien sûr. Tout le monde y connaît, Sylvestre Ier, qu'il était pape. Et aujourd'hui, ben, nous continuons dans cette lecture de Saint-Jean, au chapitre, première épître de Saint-Jean, chapitre 2. Et nous continuons toujours, en ce dernier jour de l'année, à profiter encore une fois, hein, faut profiter de l'inspiration de Luce Rose pour nous ouvrir à cette liturgie d'aujourd'hui. Merci Luce, merci à toute ton équipe et t'es belle. Je me souhaite à vous de bien passer ce réveillon de Noël avec Outange, hein? Avec l'archange plutôt, l'archange Raphaël, bien sûr. Et puis ben à tout le monde que l'est là aujourd'hui autour de la radio, mi préfère dire tout de suite ben que cette année il voit à nous. L'année nouvelle, hein, il voit à nous encore plus dans la lumière. Et mes amis, il faut prendre des décisions. Si Zot n'a un contrariété dans le cœur, si Zot pense que Zot y avance quand même avec un fer, comment on appelle ça, un piège à loup dans le pied ou bien un galet dans Zot basket, mais c'est le moment, enlève à lui, même s'il va faire mal à Zot, d'enlever ça, même s'il va faire mal à nous, de changer de vie, de mettre de côté ce qui fait mal à nous. Voilà, à décrocher quoi. Ça, c'est le moment de décrocher, c'est ça. Bon, nous continuons. Peut-être que nous va trouver une réponse de notre décrochage, dans notre changement de comportement, de notre salut à travers ce texte de Saint Jean. C'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction et vous avez tous la connaissance. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit pour que vous ignoriez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Alors certaines personnes d'entre nous, ils pensent que nous les assises devant notre télévision, bien notre l'écran de cinéma, et quand il parle d'antichrist, ben nous les assises au creux de notre fauteuil et nous regardons les images d'un personnage un peu comme le méchant, tu vois, le méchant dans les films Marvel, le méchant qui va en train de détruire tout ce que le bon, le Christ, l'a bâti tout autour. Mais réveillez-vous. Réveillons-nous. Ah, ça c'est réveillons, mais réveillons vraiment, les gars. Et l'antichrist, c'est pas forcément quelqu'un qui vient de l'extérieur. L'antichrist, c'est peut-être
à l'intérieur de nous-mêmes, cette pensée qui nous accable, qui nous condamne, qui nous juge. Tu vois, dans les dessins animés, il y a toujours le petit ange qui est brillant, hein? Le petit ange avec les ailes qui est brillant, les ailes de plume. Et puis l'autre côté, il y a l'autre ange qui a des ailes de chauve-souris avec des petits cornes, avec un trident. Que pas à cause d'un trident, hein? Voilà. En fait, quand il parle d'Antichrist, aujourd'hui, Saint-Sylvestre, c'est que pendant cette année, il y a eu des contrariétés dans notre propos, des contrariétés, des catastrophismes dans notre peur de l'avenir. Et cette peur de l'avenir, ben, il peut transférer aussi dessus notre relation que l'on a avec nos enfants, des relations dans la famille même. C'est sûr avec les enfants, mais que pas à cause, hein? Il y a un certain crainte, un certain peur, un certain angoisse que ça m'en laisse à devenir. Et nous-mêmes aussi, ben, à chaque fois, nous donne, nous montre, nous rayonne ces côtés négatifs, ces côtés qui détruisent à nous au lieu de faire grandir à nous. Ouais, m'a fait une peine mon travail, comment mis ça a fait, cette année, personne pas né dans mon cours pour couper, ben, comment mis ça a fait. Voilà. Il y a des choses comme ça que il agite à nous de l'intérieur. Mais Jésus a fini à nous, chaque jour suffit sa peine. Si nous arrêtons, agite à nous de l'intérieur. Comment expliquer ça? Imagine où ça va dans une maison, où il est devant une maison et cette maison elle a des vitres transparents. Et à l'intérieur, où on a tout habillon, où on a des feuilles montent, ils sonnent, les bancs de meubles, ils tournent. Est-ce que ça rentre dans cette maison-là? Non. Ou attendre quand toutes les calmer, toutes les poser, tout est bien en ordre, et là où rentre, tu vois? Et là où ça visite cette maison-là. Mais pareil, si vous savez, ou de famille, ou un monde qui aime bien, ou arrive son casse, on entend, ouais, c'est ici, c'est là, ouais, rentre toute casse, hein, ma soeur, une maman, ma soeur, une famille. Est-ce que toi, ou l'avenir en bonne intention, ou l'avenir amène un cadeau pour la fête Saint-Sylvestre, quand on arrive côté cette maison, ou entend le maman pour battre avec le mari pour battre avec le papa pour battre avec le garçon pour battre avec la soeur pour battre avec la belle-fille. Que ça vous fait avec coup de cadeau? Est-ce que ça rentre dedans? Tiens, mais ça rentre, mettre l'ordre. Non, on ne met pas l'ordre là. Parce que c'est une affaire intérieure, une affaire qui concerne cette maison-là. Sous ça, mettre l'ordre, ça gagne le coup, mon enfant. Que ça rebout net, ça fait quatre pas où? Qui pour de femme? Donc, avec coup de cadeau devant la porte de Banana, discrètement, au retour de l'auto, ou dépose votre cadeau pas des ou ça parque des jeux, ou ça va, mais connaît pas où ça va, ou ça apprécie tranquillement le calme que notre cœur. Voilà. Ça, c'est nous de l'intérieur. Mais l'Antichrist, c'est justement ça. C'est justement notre bonne tempête, hein? Notre bonne négativité que tout le temps, nous, oui, c'est si c'est la nous pour plaigner à nous tout le temps, nous la pousse les autres tout le temps, nous les jamais contents, nous les Trumpf grognon, pas content, pas content, pas content. Nous laisse ça. Avant de chercher l'Antichrist ailleurs, nous l'effet de calme, nous l'effet de paix, nous l'effet d'amour. C'est pour ça, Saint Jean dit à nous que l'Antichrist, il fait pas partie des nôtres. Nous l'effet de lumière, nous l'est un esprit, un spirituel dans un corps physique, dans un, comment on appelle ça, un véhicule physique. Et c'est ça qu'il faut que nous comprenions. Nous n'est pas dans le corps physique. Nous n'est pas le physique. Nous n'est pas le monde qui a besoin de boire un coup, besoin de boire une bière, a besoin d'acheter chocolat. Non, nous le monde a besoin de lumière. On a besoin de prier. On a besoin d'être aimé. Il a besoin d'aimer. Du coup, chers amis, pour cette fête de Saint-Sylvestre, à nous prendre conscience vraiment que nous les des esprits, nous les le spirituel à l'intérieur d'un corps humain. Il est vrai, il faut nous baigner de temps en temps parce que sur le bras, après un moment donné, lequel calice en transpiration est dégueulasse. Non, mais voilà, ça aussi c'est vrai. Il faut nous prendre soin de notre véhicule, mais il faut nous prendre soin de ce que nous les à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, chacun est né à son façon. Et la première façon que nous pouvons faire ça, avec les résolutions là, on dit, ah, cette année, m'a décidé de faire du sport, m'a décidé de faire ceci, m'a décidé de ne plus manger la viande, etc. Cette année, on décide de retrouver notre intérieur. On décide,
moralement, de ne plus juger, de ne plus critiquer, de trouver tout ce qui est beau, d'avoir un visage, un regard, de lumière, de tendresse sur chaque personne, surtout de ne pas avoir peur du lendemain, de ne pas regretter le passé et de vivre à fond l'instant présent. Casse qui brise, diable dira pourquoi lui. Allez, nous retrouve, Minas Azot. Allez, mais bonne année à toutes. Nous retrouve ça. Bye bye. Merci, Luce. Merci à toute ton équipe. Et t'es belle. Je me souhaite à vous de bien passer ce réveillon de Noël avec Outange. Hein? Avec l'archange plutôt. L'archange Raphaël, bien sûr. Et puis, ben, à tout le monde que Léla, aujourd'hui, autour de la radio, m'y préfère dire tout de suite. Ben, que cette année, il voit à nous, l'année nouvelle, hein, il voit à nous encore plus dans la lumière. Et mes amis, il faut prendre des décisions. Si Zot n'a un contrariété dans le cœur, si Zot pense que Zot y avance quand même avec un fer, comment on appelle ça, un piège à loup dans le pied ou bien un galet dans Zot basket. Mais c'est le moment, enlève à lui, même s'il va faire mal à Zot. D'enlever ça, même s'il va faire mal à nous, de changer de vie, de mettre de côté ce qui fait mal à nous, voilà, à décrocher quoi. Ça, c'est le moment de décrocher, c'est ça. Bon, nous continuons. Peut-être que nous va trouver une réponse de notre décrochage, dans notre changement de comportement, de notre salut à travers ce texte de Saint Jean. C'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction et vous avez tous la connaissance. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit pour que vous ignoriez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Alors, certaines personnes d'entre nous, ils pensent que nous les assises devant notre télévision, bien notre écran de cinéma, et quand ils parlent d'Antichrist, ben nous les assises au creux de notre fauteuil et nous regardent les images d'un personnage un peu comme le méchant, tu vois, le méchant dans les films Marvel, le méchant qui va en train de détruire tout ce que le bon, le Christ, la bâtit tout autour. Mais, réveillez-vous. Réveillons-nous. Ah, ça, c'est réveillons, mais réveillons vraiment, les gars. Et l'Antichrist, c'est pas forcément quelqu'un qui vient de l'extérieur. L'Antichrist, c'est peut-être à l'intérieur de nous-mêmes, cette pensée qui nous accable, qui nous condamne, qui nous juge. Tu vois, dans les dessins animés, il y a toujours le petit ange qui est brillant, hein? Le petit ange avec les ailes qui est brillant, les ailes de plume. Et puis l'autre côté, il y a l'autre ange qui a des ailes de chauve-souris avec des petits cornes, avec un trident. Que pas à cause d'un trident, hein? Voilà. En fait, quand il parle d'Antichrist, aujourd'hui, Saint-Sylvestre, c'est que pendant cette année, il y a eu des contrariétés dans notre propos, des contrariétés, des catastrophismes dans notre peur de l'avenir. Et cette peur de l'avenir, ben, il peut transférer aussi dessus notre relation que l'on a avec nos enfants, des relations dans la famille même. C'est sûr avec les enfants, mais que pas à cause, hein? Il y a un certain crainte, un certain peur, un certain angoisse que ça m'en laisse à devenir. Et nous-mêmes aussi, ben, à chaque fois, nous donne
nous montre, nous rayonne ces côtés négatifs, ces côtés qui détruisent nous au lieu de faire grandir nous. Ouais, m'a fait une peine mon travail, comment mis ça a fait, cette année, personne n'est pas né dans mon cours pour couper, ben, comment mis ça a fait. Voilà. Il y a des choses comme ça que il agit à nous de l'intérieur. Mais Jésus a fini à nous, chaque jour suffit sa peine. Si nous arrêtons, agit à nous de l'intérieur. Comment expliquer ça? Imagine où ça va dans une maison, où il est devant une maison et cette maison il a des vitres transparents. Et à l'intérieur, où il y a un tourbillon, où il y a des feuilles montent, ils sonnent, les bancs de meubles tournent. Est-ce que ça rentre dans cette maison-là? Non. Ou attendre quand toutes les calmer, toutes les poser, toutes les bien en ordre, et là où on rentre, tu vois? Et là où ça visite cette maison-là. Mais pareil, si vous savez où famille, où il y a un monde qui aime bien, où arrive son case, on entend, ouais, c'est là, ouais, rentre toute case, hein, ma soeur, de maman, ma soeur, de famille. Est-ce que toi, ou l'avenir en bonne intention, ou l'avenir amène un cadeau pour la fête Saint-Sylvestre, quand on arrive côté cette maison, où on entend le maman pour battre avec le mari pour battre avec le papa pour battre avec le garçon pour battre avec la soeur pour battre avec la belle-fille. Que ça vous fait avec coup de cadeau? Est-ce que ça rentre dedans? Tiens, mais ça rentre, mettre l'ordre. Non, on ne met pas l'ordre là. Parce que c'est une affaire intérieure, une affaire qui concerne cette maison-là. Sous ça, mettre l'ordre, ça gagne le coup, mon enfant. Que ça rebote net, ça fait quatre pas où? Qui pour de femme? Donc, avec coup de cadeau devant la porte de Banana, discrètement, au retour de l'auto, ou dépose votre cadeau par derrière, ou ça parque des jeux, ou ça va, mais connaît pas où ça va, ou ça apprécie tranquillement le calme que notre cœur. Voilà. Ça, c'est nous de l'intérieur. Mais l'Antichrist, c'est justement ça. C'est justement notre bonne tempête, hein? Notre bonne négativité que tout le temps, nous, oui, c'est si c'est là, nous pour plaindre à nous tout le temps, nous la pousse les autres tout le temps, nous les jamais contents, nous les trompes grognons, pas contents, pas contents, pas contents, nous les ça. Avant de chercher l'Antichrist ailleurs, nous les faits de calme, nous les faits de paix, nous les faits d'amour. C'est pour ça, Saint Jean dit à nous que l'Antichrist, il fait pas partie des nôtres. Nous les faits de lumière, nous les un esprit, un spirituel, dans un corps physique, dans un, comment on appelle ça, un véhicule physique. Et c'est ça faut que nous comprenons. Nous n'est pas dans le corps physique, nous n'est pas le physique, nous n'est pas le monde qui a besoin de boire un coup, besoin de boire une bière, a besoin d'acheter chocolat. Non, nous le monde a besoin de lumière, on a besoin de prier, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'aimer. Du coup, chers amis, pour cette fête de Saint-Sylvestre, à nous prendre conscience vraiment que nous les des esprits, nous les le spirituel à l'intérieur d'un corps humain. Il est vrai, il faut nous baigner de temps en temps parce que sur le bras, après un moment donné, lequel calice en transpiration est dégueulasse. Non, mais voilà, ça aussi c'est vrai. Il faut nous prendre soin de notre véhicule, mais il faut nous prendre soin de ce que nous les à l'intérieur de nous-mêmes. Et du coup, chacun est né à son façon. Et la première façon que nous pouvons faire ça, avec les résolutions là, on dit, ah, cette année, m'a décidé de faire du sport, m'a décidé de faire ceci, m'a décidé de ne plus manger la viande, etc. Cette année, on décide de retrouver notre intérieur. On décide moralement de ne plus juger, de ne plus critiquer, de trouver tout ce qui est beau, d'avoir un visage, un regard de lumière, de tendresse sur chaque personne, surtout de ne pas avoir peur du lendemain, de ne pas regretter le passé et de vivre à fond l'instant présent. Casse qui brise, diable dira pourquoi aller. Allez, nous retrouve, Mila Sazot, allez, mais bonne année à toutes, nous retrouve ça, bye bye. Il a fait le ciel et la terre. C'est le Seigneur qui a pris sur lui nos misères. C'est le Seigneur. L'homme de Galilée nous a tant aimés, il nous a tous libérés. L'homme de Galilée, pour nous libérer, sa vie il a donné. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire
gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu nous sauver. Qui est le bien-aimé du Père? C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Qui est toute joie de sa mère? C'est le Seigneur, c'est le Seigneur. L'homme de Galilée nous a tant aimé, que l'amour a triomphé. L'homme de Galilée, agneau immolé, à la croix il est allé. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu nous sauver. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ, ô Fils de Dieu ressuscité.